Il n'a pas fait le serment d'Hippocrate, mais pourtant il soigne. Ce luthier spécialisé dans les guitares et basses fait appel à son savoir-faire pour les réparer. Du simple service à la restauration entière de l'instrument, l'atelier de la guitare fait partie de ces rares luthiers encore installés en centre-ville. Je répare les guitares, premier truc, quand le gars a un problème, je fais du service, du conseil, le gars ne sait pas quoi monter comme micro sur sa guitare, je l'aide à savoir quel type de micro il va mettre, pourquoi ce micro-là, et après il se dit bah, « ok, feu, on y va ». Son propriétaire, Jean-Yves Chouteau, a un parcours déjà bien dessiné dans le domaine musical. Oui, c'est un métier de passion. J'ai été formé par un luthier qui s'appelle Jeronimo Mateos, puis pas que lui d'ailleurs sur Madrid. Et puis j'étais menuisier ébéniste de métier bien avant. Donc quand on est musicien menuisier ébéniste, on arrive à luthier facilement. Pour ce client qui vient faire réparer le chevalet de sa guitare, une semaine de travail est nécessaire. La proximité de l'atelier de Jean-Yves influence le choix des musiciens. C'est très pratique, surtout quand on n'a pas de voiture et qu'on ne peut pas se déplacer dans une autre ville, ou en banlieue, tout ça. Des guitares d'une valeur inestimable sont déjà passées dans son atelier. Une seule mère jazz manouche de 30 000 euros a été retapée. Il s'agit de la seule guitare pour gaucher de ce modèle au monde.